Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Akai et on se retrouve sur E4 avec ce qui s'apprête à être une bataille épique. Regardez là, les attaquer, t'as tout le monde qui arrive. Les miens, les autres d'en face, tout le monde. Ça va être beau ça. Ah non, c'est juste eux qui ont 115% là. À cause de ces verts et tout, là ils ont leur HDR plus 10%. Terrestre aussi. La piété aussi, le prestige. Défaite alliée, ouais, mais bon. Nijni Novgorod, ok. Est-ce que les Perses ne vont pas taper le rebelle? Non, non, regardez. Ils ont fait exprès de pas taper le rebelle. Ah, je vous jure, les emmerdeurs. Ils sont moins cons qu'auparavant. Pas de truc pour dire hop améliorer ça. Mission Nouveau Monde les gars, faites vous plaise. Les colonisateurs ils sont où? Il y en a un ici à Tunguska. On va dire maintenant tu vas coloniser le morceau qui se trouve ici là, Sayan. Il y en a un ici qui est au Brésil. On va le laisser faire son truc hein. Il y en a un qui fout le Dawa. L'Ogaden là c'est en train d'être coré là, c'est en cours. Ah ça y est, j'ai enfin pris l'objectif de guerre. On va pouvoir faire remonter un petit peu les choses. Regardez, je suis à plus de 90%, 828. Je vais le prendre. Pourquoi? Pour booster à fond, ça va baisser la corruption et tout, je serai tranquille. De toute façon, ça va remonter tellement vite, vous allez voir, plus 10 par mois. Mais c'est même pas moi qui vais récupérer les points. Les Brésiliens encore! Ils sont chiants ces gars-là. Mais c'est là le Brésil, c'est ça le Brésil là. Turkestan. Bah ok, bonne chance. Elle est où sa capitale déjà celui-là? Je crois que c'est Ispahan. Ouais, c'est Ispahan. Est-ce qu'on peut virer ma loi de la guerre? Il y a 7 seulement. Moins 42. Déjà, tu vas filer Doab central à mon pote. Est-ce que tu peux libérer un truc? Non? Moi 31? Bon, bah, déjà, tu donnes ça. Déjà, le Malwa, tu vires de la guerre. Et après, donc, Delhi va pouvoir se concentrer sur. Venkui, c'est le nouvel héritier. Ouf. Comment est-ce que je pourrais taper le Canada? Oh, il faudra que j'attende que la flotte soit créée là. Bon, dès que la flotte est créée, je me jure que je me défonce le reste du Canada et que je fais disparaître ce pays de la surface de la Terre. Vous avez la parole. Ça reste occupé par les Perses, mais ça je m'en fous. Là, il y a un problème de rebelles religieux là. L'Ogaden s'est colonisé, parfait. Est-ce qu'on réussit à faire tomber le truc là? Si je prends les forteresses qui sont au sud, après je refonce vers Isparan. Il m'arrive quand? Le 20 juin. On va laisser tomber, hein. T'es sur massacré. Et dégage les pop-up! Ça, c'est un truc qui est horrible dans le jeu. C'est le fait que les pop-up apparaissent. Des cadeaux, ceux-là. Non, mais c'est. Non, mais non, arrête avec tes conneries de cadeaux là. T'avais pas un de cadeau en plus. Blague de merde. Désolé. Je vais la faire à chaque fois celle-ci. Ça occupe à la tire, ça m'arrive, on s'en fout de ça.
La trêve avec le russe expire, et ouais, mais le russe, je pense pas que dans son état, il va faire quelque chose contre moi. Allez avec la Géorgie. Pff, paye ton pote. La Géorgie, c'est le bouche-trou, c'est le truc que tu prends lorsque t'as. T'es vraiment au fond du trou là. Est-ce que vous pouvez vous dépêcher là, les gars? Kalat est pris, ça y est, bim! Il va où il va? Birgend. C'est au nord. Il va vers le nord. Ce que je vais faire, c'est que j'essaie de prendre de Ispahan, moi, de foncer vers Ispahan. Un palais sous Géorgie contre Cassim. C'est les tributaires qui se mettent dessus, c'est pas trop grave. On va piller quelques petites provinces ici autour, là, pour l'emmerder. On a l'objectif de guerre, on l'a, c'est nous qui l'avons. Est-ce que tu peux déjà rendre les provinces légitimes à... Il veut rien pour l'instant. Ah, il y a des batailles en cours? Ah ouais, mais on va faire pourrir là. Grande-Bretagne soutient l'indépendance de la Colombie-Portugaise. Ok. Ok. Je prends acte. Je prends note. Ne vous inquiétez pas les gars. Ne vous inquiétez pas. Assistement à long terme. On peut prendre quoi? Un nouveau conseiller? Ben lui, on va prendre le gars là. Pour lutter contre l'agitation dans le pays. Je vais prendre le focus militaire cette fois-ci, parce qu'après la technologie. C'est vous combien? Niveau 29. Ben, la prochaine technologie que je prends dans 20 ans, je me focalise sur le militaire. Là tout de suite on va pourrir les murs dès le début, histoire de faire des bons petits jets intéressants. Si je peux affaiblir petit à petit leurs hommes, les Iroquois, les cris. C'est la flotte que j'ai recrutée, oui, en train de se construire. Les gars, là, je comprends pas l'intérêt que vous avez de vous disperser dans la Sibérie. Oh putain. Le militaire il est mort. On va prendre donc celui-là. Plus limite terrestre. Voilà. Il est faible le Perse. Il en a ras-le-bol. Est-ce que tu peux taper l'armée de Delhi? Oui, ça. Tape l'armée de Delhi, c'est très bien. Révolution en Aragon. Ah bah voilà! Voilà, ça a pété en Aragon. Oh, c'est beau! Oh, 70 000. Ah bah, en même temps, faut dire qu'avec ce que je lui ai mis dans la gueule, l'Aragon. Si en plus, vous pouvez voir des séparatistes en Corse, en Sardaigne, ou en Sicile, ou à... C'est quoi ça? Malte? Indépendant? Hospitalier? On tributarisera ce bled, là? Ah bah oui, vu que j'ai pris ça, alors... Ils ont viré là, les gars, les chevaliers. J'ai pris Rhodes. C'est vrai qu'il y a un event? J'ai oublié ce détail-là. Très que la France est terminée. J'ai pas envie de taper la France. J'ai aucun intérêt à taper la France. Et sur son continent à la con, la France, elle me fait pas la suer. Ah, oh, c'est pas vrai ça! Restaurer la Grande Muraille! Ah, ben ouais, défense effort plus 25%, oui, je prends. Hein. Je peux enfin le faire. C'est quoi le nouveau héritier là? Il a un an! Et la consort est prolifique. Bon, bah, au moins, on va pas avoir de problème de stab pendant longtemps. Méritocratie. Un palais se construit Ansbach. Ok, il y a Ansbach qui a dû apparaître. Hop. On va voir si toi tu peux améliorer le siège là. Ça, c'est chiant ce truc là. Le clochard là en Madagascar là. 0%. Faites-moi péter le score là. Prenez-moi le plus de trucs possible. Si vous pouvez prendre Ispahan rapidement et après ben j'envoie mes troupes ici pour l'éclater là. Je veux dire, ici je vais défoncer vite fait, bien fait. Et voilà, regardez ça! Je disais, il me faut absolument que ça fasse ça. Ouais, on va leur tomber dessus, regardez. Ça va être beau ça.
Déjà, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut passer sans avoir le fleuve à la con? Passer par Merve. Ouais. Je vais contourner, je vais remettre le commandant qui fout plus rien. Et après, j'ai envoyé deux armées pour taper sur l'autre. Comme ça, je vais lui tomber à 3 contre 1. On va pouvoir gagner la guerre. Enfin, la bataille, d'ailleurs, au moins. Regardez ça là. Apparaît contre Kazan. Pourquoi Kazim est ressorti? C'est d'où qu'il est ressorti ce machin là? Et pourquoi t'as fait ça, Crimée, ce de con? Pourquoi t'as. Oh, mais. Il y avait des territoires là qui n'étaient pas la Russie, mais non, mais non, mais c'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi cette connerie là, vous avez fait de la merde les gars, comme d'habitude. Putain, mais vous avez libéré Kazan, mais ça n'a aucun intérêt de libérer Kazan. C'est quoi mon débile ce que vous avez fait là? Je recrute notre armée ici, pourquoi? Parce que dans 2 ans je compte bien taper sur le roast beef. Le taper dans les colonies mais également taper sur son propre sol. Bon lui voilà, on va le tomber dessus, regardez là. Voilà, 116 contre 35. Là, on va pouvoir le défoncer, regardez ça. Y'a plus de cavalerie. Ouais, on a gagné la bataille. Il a préféré capituler. Tu m'étonnes qu'il a préféré capituler. Pas complètement crétin non plus l'autre. Donc déjà, est-ce que tu peux rendre des provinces? Tu rends ça au tabac restant. Le Colassan, tu le restaures. C'est quoi? C'est Savevar. Tu veux pas? C'est 53 qu'il faut. Eh ben, on va continuer à taper, vous allez voir. On va continuer à taper. On va lui prendre Koumis et puis ben l'autre là, Shiraz. Jacques. Bon, état déjà. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est que les états. Où est-ce que c'est du chinois d'abord ici? Mongol, Mongol, c'est pas terrible. Ça, c'est Tchatchar, Mongol, Mandchou. Là, c'est des provinces qui sont à moi. Tout c'était colonisé par moi. Hein. Tout ça, c'est que des colonies de. Et sinon, est-ce que c'est. Ah oui, Taïwan aussi, on va coloniser. Ça, Taïwan, c'est clairement une position chinoise, hein. Y a pas à hésiter là-dessus, hein. Tout ça, c'est également des. C'est. Les Turcs, province turque. Le Tibet, pour côté symbolique, on va le dire que le Tibet c'est chinois. C'est vrai ça? C'est quoi cette blague là? Le Tibet serait pas chinois. Ouais ça. Mandchou, tout ce qui est Mandchou, vu que c'est de la culture. On va rester en état. Après tout, Mandchou, c'est reconnu. Tout ce que j'ai à légitimer. Oh le bordel. Oh,
J'ai tellement piqué ça. Les Shizu ils veulent quoi? Ils veulent des provinces en plus, les casse-pieds. Bon, les Shizu là, vous voulez quoi? Celle-ci? Hop, vous êtes à 10%, vous cassez pieds. Et le problème est réglé. Ah, oh, mais je vous jure là, c'est un kikineur. Ils vont où? Ils vont à Charabar. Si les mecs ils vont sur Hormuz, là c'est pratique parce que. J'avais aimé qu'ils mettent leur armée ici sur Hormuz, j'aurais pu les bloquer. La bim! Faut exploser ça. Ah, c'est dommage, j'ai un petit peu obligé d'attendre. L'OTAN n'est plus au rival. Bon bah ok. Histoire est tombée, ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Pour 32%, regardez-moi ça. Je lâche. Mais vite, 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 grouille, grouille, grouille. Il est arrivé juste un peu trop tard. Et si les deux étaient restés ensemble, on a tellement pu les défoncer, ces glandus. Ah non, on a gagné. Ah ok. Ok, on a gagné, j'ai même pas remarqué. Bon bah ok, on a gagné, cool. Arbitre rôle différent, voilà, on arbitre le problème. Oh bah tiens, Kazan. Bah, j'ai une armée ici, donc Kazan, je vous assurais que. Putain, il y a 50 000 hommes seulement. Pour une guerre contre les Canada, ça va passer. Et Kazan aussi, mais pour une guerre contre les Rosbif, on va attendre un petit peu. Je perds que de la stab. Administration, on va voir, on va prendre quoi? Plusieurs diplomatiques. On va soutenir les nobles. Pourquoi? Parce que eux, on va leur dire, je vous file des trucs pour vous soyez contents. Eux, je vais dire, j'ai plus de troupes. Il faut une manpower là, on est en rade. On a besoin d'urgence. Délif ou quoi, j'aimerais savoir. Restons zen. Restons zen, c'est avec elle, restons zen. Il y a un navire ici à Akaroul qui est en train d'être créé. On va le supprimer, on va laisser tomber. Louisiane britannique. Allez, British. On va leur péter le Mexique après la Louisiane. Oh, ça va leur faire les pieds, les gars. Kentucky. Bon, bah là, regardez encore. Là, je suis à fond pour les points. Trek et Choppy terminé, mais j'ai pas envie de taper Choppy maintenant. Hein. J'ai pas envie de taper Choppy tout court d'ailleurs. Plus 675. On est combien maintenant? 261K, c'est pas terrible.
porcelaine. Ça rapporte beaucoup la porcelaine. Bon, moins depuis que les Européens ont appris à en faire, mais bon. Mais bon, allez hop. On va bien bourrer là les points. Encore les sunnites? Oh là là, je vous jure. Quels emmerdeurs ces gens-là. Bon, je pense que les Britanniques ont compris un peu ce qui va leur arriver. Par contre, je tiens à noter, à faire remarquer que j'ai maintenu mes engagements avec les populations indigènes, comme les Hurons et compagnie. Hein. Autant les Européens, j'avais marvé la gueule, autant les autres. J'étais très respectueux de tous mes accords. Moins 2. Ah bah. 4. Alors, après, je peux non plus rendre des trucs à l'Ottoman. Par contre, ça, c'est le. Dawa, c'est enfin Corée. Enfin, colonisé. On va donc progresser un petit peu par ici. Pourquoi? Histoire d'emmerder à fond les autres. La main se fait bouffer la gueule par Boutois. La pauvre Éthiopie là. Oh. C'est parti ce machin. Bon, tu devrais gérer là. Si des mecs ils vous y vont un par un. Bon, là t'as combien? T'es à seulement 15%. Bon, t'es encore de 10. T'as moins 1. On attend encore 2-3 tours. Un secrétaire efficace, c'est très bien. Après, le prince de plus, histoire de l'emmerder un peu. Ça fait pas grand chose, mais bon. Tout ça de prix. Général Zilou est mort. Ah merde, celui qui était là. On a combien là? Moins un toujours. Son nageur a duré 50 ans. Ce serait beau que l'Ottoman lui déclare la guerre. Une guerre perso-ottomane. Il y a déjà eu plusieurs là, apparemment. Il y en a un ici, il y en a un là-haut. On va envoyer un colon là. On va envoyer un colon ailleurs aussi. On va envoyer un autre colon. Ça, on va laisser le Pérou se démerder avec ce morceau-là. Là, il n'y a plus rien à coloniser. Si, on pourrait coloniser ici, là, pour le compte de la Louisiane. Ouais. Donc Ming va le refiler au Khorasan. Vous avez vu, je prononce bien avec l'accent en plus, un Khorasan. Bon. Allez, on attend un petit peu là, on va l'emmerder, j'ai encore 50 000 hommes de manpower. Oh, il y a 50 000 pères qui se baladent là dans les montagnes. On va pas aller les voir. Bah voilà, l'Ottoman, je vous l'ai dit qu'il allait en profiter, l'enfoiré. Un point simple plus gratuit. Bah merci. Je prends. Ah bah, si on me donne un point stabilité gratuit, moi j'y vais. Hein. Ah bah ouais, je suis pas idiot. Hein. Bon, on me dit, t'as un point simple gratuit. Bah ok. En fait, Kazan. Ah non, tu voudrais bien en plus un peu ajouter tribut. Vous savez quoi, Kazan, je distribue.
Dernière fin de cette garde-là, j'impose le tribut à Kazan. Voilà, on va avancer un petit peu tranquillement ici. Pourquoi j'avance? Histoire de faire un peu sur le perse, de maintenir la pression sur lui. Moins 6. J'adore ces cons qui n'ont même pas foutu garder leur propre territoire. Pathétique. Lamentable. Bon, là on vérifie qu'il n'y a pas une attaque qui nous arrive dans le dos par hasard là, au cas où, vous savez. Le perse veut quoi? Non, je refuse, c'est moi qui dicte les conditions. Les conditions, elles sont ça. Voilà. Et c'est parti de machin de bled là, de trucs des sauvages là. Téhéran. Ah putain, il m'a battu. Il m'a stacoépé l'enculé? Oh la vache. Le sac à merde. Ah putain, je me suis fait stacoépé énervé par ce connard là de... d'Iranien. Là, du coup, on est retenu à moins 2. On va peut-être pouvoir la prendre ce bled là, cette fois-ci. Oh là là, contre l'Ottoman! Ouf! S'il arrive à tenir. Ah non, il a pas tenu. C'est con. Voilà. Si je voulais prendre juste Adra machin là. C'est. Je vais me charger de ces parties-là, et après, bon bah. L'Aragon s'est défoncé par la Grande-Bretagne, c'est une surprise. Le pays est en pleine révolution, vous m'étonnez que tout le monde en profite pour taper dessus. Hein. Oh la révolutionnaire. Ah non, c'est pas séculariste. Ah non, c'est révolutionnaire là. Il y a des révolutionnaires et des particularistes. C'est de la merde, mon gars. Donc, toi là. Tu vas pas faire un petit truc en plus pour moi là? Prendre sa Vijayanagar, tu veux pas? Je suppose que des fois il faut. C'est Kandahar là. Bon, allez. Bouffe! Allez voilà, qu'est-ce qu'on dit de ça le Perse? Je suis humilié à mort. Par contre, tu m'as fait chier que t'es troupes super badass toi là. On va recruter quelques milliers d'hommes. Ah ouais, là faut vraiment que je recrute des troupes là, parce que sinon je suis vraiment à la rue. Je pense que c'est quoi, vu que l'épisode a assez duré, je fais mon recrutement, je tribute un petit peu, et après je mets une pause à l'épisode. Enfin, une pause à l'enregistrement, je veux dire. J'arrête la session d'enregistrement. Surtout qu'il est midi et quart là, je commence un petit peu à avoir faim. Le mec qui raconte sa vie là, comme ça, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais bon. Allez, c'est un petit peu ça l'esprit, c'est la caille. Non, c'est pas l'esprit canal, je vous rassure. Donc l'Ottoman, je te rivalise. Hein. Attention. Donc on disait qui? Ah, il fallait qu'on tributarise les gens. Bussoga. J'ai pas de diplomate. Donc Mantoue, Milan et Rwanda. Lui, Rwanda, il voudrait bien également. Impose un tribut, oui il accepte. Lui. Vous allez voir qu'il faut se mettre sa tronche d'ici peu, vous allez voir.
Ils disent, ah, c'est bon, maintenant on a le même gars qui nous tribute. On peut se taper dessus. Saluda. Donc je disais donc, Busoga, ça fait un petit moment que je suis lorgné sur ces bleds là. Impose un tribut, voilà. Tabasson, il va m'avoir. Bah oui, j'accepte. Éthiopie, tu veux pas un tribut? Non, tu le détestes. Et t'as en plus un empire. Donc après, je disais qui je pourrais tributer. Est-ce que Milan, l'autre, la voulait bien? Moins 16. Moins 34. Putain, il faudrait que je prenne la Corse là. Ils veulent pas, moi bah oui, c'est un électeur. Tu m'étonnes qu'il veut pas. Utrecht, il dit non parce que je suis électeur. Je suis dans cet empire. Y'a pas mal de cet empire qui est pas électeur mais qui. 59. Ah oui, je suis trop loin. Bon, tant pis. Putain, la France fait becter, c'est pathétique! Tu veux pas être tributaire à la France? Non, parce que tu veux mes provinces. Bon, ben. Bon, je l'avais dit, hein. Honnêtement, j'allais mettre pause à l'épisode. Donc, j'éclaire la guerre au Canada, histoire de dire, je prends plaisance, hein, tout simplement. Regardez, hop. C'est fait. Et moi, je vous dis, je m'arrête là. Je vous dis donc à la prochaine. Salut tout le monde. Merci d'avoir regardé. Vous devez avoir vu.